La vidéo n'a toujours pas été authentifiée, mais elle pourrait bien être l'œuvre du mouvement pour le renouveau et la réforme, un groupuscule encore inconnu qui a revendiqué le 5 avril dernier l'enlèvement de ces 7 Estoniens. Posté mardi soir, on y voit les hommes apparemment en bonne santé, suppliant que les autorités libanaises, jordaniennes, saoudiennes et françaises leur viennent en aide. Les ressortissants estoniens arrivés de Syrie via le poste frontière de Masna auraient été enlevés le 23 mars dernier dans le secteur de Zaaleh, au Liban, en plein cœur de la plaine de la Beka, un secteur réputé pour sa grande dangerosité et dominé par les trafics de drogue en tout genre et les rivalités claniques. Les touristes effectuaient une randonnée cycliste et envisageaient de prendre la route vers le centre du Liban. Leur ravisseur aurait posté une demande de rançon sur un site internet libanais au début de ce mois.